Bonjour, c'est Cadu et bienvenue sur Cadu Gaming pour l'épisode 4 du Let's Play de Blanc en compagnie de TVH. Coucou. Et on se reprend après une magnifique descente qu'on a fait à la fin de l'épisode 3. Allez, jetez un oeil parce que tout s'enchaîne bien. Hein. L'épisode 3, il y a eu beaucoup de canards quand même à gérer. Là, on les a laissés, on les a posés à leur maison, donc au moins c'est fait. Et on a fait une magnifique descente qui a duré... Elle a duré que 3 minutes, je crois, mais par contre, il y a eu un maximum de décors qui est passé. Ce que je disais, les développeurs, ils ont dû dépenser là-dessus. Faire tous les décors, tous les graphismes et tout, en fait, pour passer genre 2 secondes devant. Parce qu'en fait, on file, hein. Mais bon, bref, en tout cas, c'était super intéressant, la petite musique et tout, qu'elle est bien. Allez jeter un oeil, hein, si vous n'avez pas vu les 3 premiers épisodes, allez jeter un oeil, parce que là, pour le coup, c'est génial. Enfin, moi, je kiffe, hein. Donc, j'espère que ça vous plaira autant. C'est une découverte, qui, hein, le jeu, on va le faire quand même entièrement, hein, malgré que... En fait, on le découvre hein, parce qu'au final, il dure autour de 2 heures. Donc, Faut que tu tires, puis je pousse. Bah, je tire, tu vois. Voilà, et vas-y, pousse. Tu tires ou tu pousses Ou je pointe. Ah, pardon. Bah, effectivement, tu peux pas pointer. Hein. Voilà. Donc là, on rentre chez quelqu'un. Hein. C'est ce qu'on appelle de l'effraction. Coup de pouce. Succès déverrouillé, coup de pouce, les vieux. Vous le voyez peut-être pas, mais je vous le dis. Je sais pas si ça se voit à l'écran en fait. J'ai pas été vérifié. Alors sur mon écran oui, mais je ne suis pas un viewer donc... C'est ça. Oh y a, t'as entendu un bruit de bouton hein. Bonjour monsieur, oui il y a une biquette à gauche. Mais Où ça allez, Attends, on va jouer encore avec les moutons parce que maintenant qu'on a joué avec les canards... On est d'accord, tu l'entends à gauche. Attends, par contre pourquoi il est bizarre. C'est un petit biquet. À glisse. Deux petits biquets. Ah c'est bien parce que les humains ont disparu, par contre les animaux sont toujours là. Ils ont l'air contents de nous voir. Hein, le... Bon bref, alors j'imagine qu'il va falloir qu'on fasse... Attends, ils nous suivent. Bon, écoute. Attends, faut qu'ils se par dessus là. Maintenant, au lieu de poser les canetons, on fait du parcours au biquet. Biquet. Je leur montre comment utiliser les objets. Tu penses? Bah je sais que fallait que je pousse à Google pour interagir. Attends, et comment on le fait grimper là? Faut que tu mordes un truc. Mord ça. Ouais peut-être. Non c'est toi qui fais qu'il tape dedans. Moi, je peux rien faire. Attends. Ah si. Ah oui voilà. Bah tiens. Ah il fallait juste tirer dessus en fait. Ah ouais. Toi aussi tu pourrais utiliser ouais. Ça je pense. Mais en fait c'est entre mes... Faut utiliser le loup ou... Transmission, succès déverrouillé. Bah oui, on transmet en fait nos connaissances. Ouais, c'est possible que oui, il y a plusieurs possibilités, je pense. Comment on descend là, parce que je sais pas comment... Par ici. Tu sautes pas sous. C'est bon, ok. Moi je peux faire ça, mais ouais... Je peux pas sauter trop non plus, moi, donc je suis obligé de... Oh. Non, trop petit. Là, faut que tu me fasses le... Non, tu sais, je peux pas. Hein. Non. Tu peux pas. Y'a pas de poignée dans le coin. Y'a rien dans le coin, là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais si, c'est ça. Tu peux me laisser passer. Il y a un trou comme par hasard. Non. Tu peux rien faire. Allez. Et vous sautez par-dessus? Est-ce que tu peux sauter par-dessus avec eux là? Non. Attends, il faut leur dire de venir avec nous. Ah non, non. Faut que tu recommences ici le tirer. Ah, tu penses que c'est ça? Ouais. En fait, ils ont appris pour 10 secondes, après c'est fini. Alors, je vais dire un truc. Je sens que je vais paraître très bête, mais t'as remarqué qu'il y en a une noire et une blanche. Oui, je sais. Oui, et que du coup, oui, c'est la noire qui tire et c'est le blanche qui pousse. Voilà. Et après, moi, je pousse. C'est raciste. De choisir, tu sais. Vas-y, bah pousse. Ouais, nickel, d'accord. Il recopie. Et là, du coup, le casier va tomber, je pense. Et on pourra grimper. Mais faut lui dire encore de taper un coup, vas-y. Pour lui redire de taper un coup. Ouais, tu vois, c'est ça. Deux coups, il fallait mettre. Par contre, du coup, ça fait passer les chais pour des abrutis. Hein. Ouais. Alors par contre il va falloir pousser attends ou Non, je pense que c'est pour continuer. Ah non. Ah oui. Vas-y, moi je bouge. Attends mais bah, il y a un trou là, oui effectivement, il y a un trou. Attends, bah, non, je l'ai pas vu. Ah bah il saute dessus, hop. On refait la même. Ah ça va, on gère bien là. Enfin en tout cas, on perd pas trop de temps. Comme diraient nos confrères, mais nos confrères, alors confrères de quoi? Attends, qu'est-ce qu'on fasse? Ah oui, je te dis. Nos camarades, si tu peux. La musique s'emballe, hein. Bon, la musique est un petit peu forte quand même de base. Là, moi j'ai divisé par deux les viewers, hein, pour info. La musique uniquement, pas le reste. Et j'ai bien fait, je pense. Donc là, ils vont passer, ils vont aller sur les toits. Ils peuvent pas tomber trop, donc du coup, ils sont obligés de parcourir tous les toits, voilà. Là, ils arrivent sur un échafaudage. Comment on va les redescendre?
Ouais, nickel, ok. Ah, alors, faut qu'il s'y mette dessus. Faut que l'autre il saute par dessus. Attends, je vais venir avec toi. Je vais venir avec toi. On y va à 3. Attends, vas-y. Ah, mais c'est logique, attends, je comprends pas. Ah, tout le monde il y va. Ah, c'est chacun son tour qui y va. Jamais les deux. Vas-y, les deux étaient en même temps par contre là. Ouais. Bah, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse alors? On saute sur le. Faut qu'on saute sur le truc en bas. Non, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ils étaient à deux dessus, ça aurait dû tomber au sol. Alors, il y a un truc que j'ai pas compris. Non, moi non plus. Analyse. Bon, on réessaye quand même. On s'y met dessus. En fait, on peut sauter, mais que pour descendre. Ouais, mais en fait, là, tu lui montres comment faire. Faut que je fasse pareil. Allez, on y va maintenant. 1, 2, 3, go. Voilà. Pas. En plus, elle baisse que d'un niveau. T'as là, c'était à deux dessus. Attends, je sais pas. On va essayer. Allez, deux, voilà, nickel. Ouais, à deux, mais non, ça prend pas au poids du. Pourquoi descendre que de ça? Ah, bête. Ah, il fallait pousser quelque chose, d'accord. Ah oui, voilà, d'accord, ok. Ok. Et après? Ça sert à quoi? Attends, descends. Non, non. Elles veulent passer sur la plateforme et en sautant. Parce que c'est quasi toujours la blanche qui passe en première. Et en sautant, en fait, il descend la plateforme. Donc en fait, on a rajouté du poids pour pas qu'il tombe. Attends, si on fait ça. Hop là. Oui, d'accord, ok, c'est pour qu'il passe en face. Ok. Mm. C'est ça en fait. Et par contre, attends, pourquoi... viens, tu peux, tiens. C'est les forces. Ouais, c'est bon, il passe. Alors, la mienne est passée, la tienne passe pas. La tienne elle est cassée. La mienne est bugée. Fais un saut, un truc comme ça. Elle est buggée, hein, on est d'accord. Attends, si... Putain, il y a un bug encore là, je crois. Parce que tiens, la mienne est passée, hein. Attends, par ici. Et on continue. Imaginons que la chèvre blanche se TP. Ouais. Bah non, il y a pas, hein. Chèvre blanche, oubliée sur un toit. Peut-être qu'en revenant, tu vois, la mienne est là, hein. Non, viens pas, elle est buggée. Ouais, bon. Attends, on va essayer d'avancer, on va jusqu'au bout des choses comme les viewers, allons-y. Sinon on fera une ellipse et puis on s'en mettra bien, totalement. Oula, électricité. Je sais pas, ouais, il y en a qui lui prend l'électrique. Et là, faudrait qu'on fasse quoi? Alors, faudrait que je le fasse monter quelque part. Attends. Un tuyau pour ouais. Les casser, pour les faire sauter. J'aurais pas sauté. Ah, faut que je le fasse monter, en fait il y a des trucs à casser. On va essayer, mais j'ai peur que si on en a qu'une, effectivement. Bon, on va essayer vite fait, on va essayer d'éviter les viewers, sinon on refera ça, hein. c'est pas forcément très grave. Droit devant mon cher Gadu, et faut monter à gauche. Et là, je grimpe là-dessus. Voilà, et là je suis tiré, d'accord. Ah, y'a un truc qui tu le tires en bas, toi, pousser. Non, faut que tu fasses avec la chèvre noire, en fait. Et elle peut pas venir parce qu'il n'y a pas la chèvre blanche pour le faire monter. Bon, on doit recommencer. Ouais, c'est ça. Bah écoute, attends, on va revenir en arrière quand même pour jeter un oeil, puis sinon on va faire une ellipse et dur, puis on va surprendre bah, quand on sera là à nouveau. Mais c'est con parce que du coup... Comme quoi il y a des bugs, hein, quand même. Il y a encore des bugs. Et là, pour le coup, on a tout bien fait, je pense, mais c'est juste qu'on a trop forcé, en fait. Vu qu'on n'a pas compris, on l'a fait planter. Attends, est-ce qu'il ramène bien à gauche, ouais. À gauche, il se passe quoi? Elle nous regarde, tu vois. Elle revient pas vers nous? Non. Bon, écoute, elle est plantée. Écoute. Alors, dans ce cas, ce qu'on fait, on se fait une ellipse et puis on s'en prend dès qu'on a ramené les deux chèvres au niveau de la chèvre en noir à droite. À l'ellipse! Voilà, on se reprend. Alors, du coup, bah, on a les deux chèvres, on a réussi, on a rollbacké juste un petit peu avant la zone là en fait. On n'a pas rollbacké au tout début des chèvres. C'est déjà ça parce que ça aurait pu être long. Faut que tu me fasses grimper. Non. Oh, ah bah. Ouais, faut que tu sois visible. Et comme on peut voir les viewers, la chèvre là-bas fait la même chose que moi. Ouais. C'est des copieuses les chèvres en fait. Alors, je veux pas dire, mais la chèvre a sauté sur le chèvre avec au moins 50 cm de. Écart entre les deux chèvres. Ah non, moi j'ai vu le truc bien. Ok, moi je voyais flotter au-dessus. Allez, tire! Alors là, je tire, mais je crois qu'il va falloir que tu pousses en même temps. Mets-toi de l'autre côté, Tu pousses de l'autre côté. Passe de l'autre côté! Ah non, fais le tour de la grille devant toi.
Tu pars, ouais, voilà, comme ça, et tu pousses. Je suis bête. Et nous, on tire tous. On tire vers la droite, voilà, et vous, vous poussez. Voilà, c'est ça. C'est passé. Yes. Je suis bête, c'est vrai, je ne pousse que d'un sens. Bah oui, moi je tire dans un sens, toi tu pousses dans l'autre sens. En même temps, c'est un peu logique, genre, quand tu pousses, tu vas pas pousser vers toi. C'est pour ça qu'on n'arrivait pas à ouvrir des portes. Toi tu poussais, non. Moi je tirais dans l'autre sens, systématiquement. Ah, quand on ouvre des portes, moi j'avais pas d'erreur, hein, je faisais du bon sens. Bah t'as ouvert des portes des fois sans que je fasse quelque chose en fait. Ok. C'est pas grave. Donc là on a encore à 4, hein, les viewers. On a deux boulets, voilà, deux copieurs. On a Huawei et Yout avec nous. Bah oui, écoute. Alors, attends, il y a une manivelle là, regarde, il y a une roue là, elle sert pas à rien celle-là. Non, c'est juste pour la déco aussi. Donc toi tu peux sauter par-dessus, mais ça nous sert à quoi? Olé. Ah mais attends, hey, attends, avant que nous on arrive, il y a le temps. Hein. Tu peux pas sauter? Je sais pas, je pense pas. Pardon. Si, tu peux passer? Ah ouais, voilà, c'est ça qu'il faut faire, voilà, nickel. Ok, alors l'autre est pas soucis. Tout le monde passe. Ah non, c'est moi, ça c'est au-dessus. Heureusement que je suis là. Et en fait, elle se penche pour laisser passer son pote aussi, alors que... bon, je sais pas, il y a eu un bug, là. Olé. Je vais passer, hein. Non. Faut que je fasse le tour. Je fasse le tour. Par là, regarde. Par là. Ah bah, allez-y. Ouais, mais toi, la tienne, elle est peut-être pas sûre. Suis-moi, la piquette, là. La mienne, elle est bien éduquée, elle suit les... Bah, elle suit-moi, hein, visiblement, regarde. Bah des fois il ne recopie pas forcément la même couleur qui correspond en fait à moi ou à toi. Des fois il recopie moi, tout court, les deux. Là on fait quoi là? Je peux sauter là de toute façon donc on a pas trop le choix. Faut venir là où je suis. Viens les biquettes. Et là il va falloir qu'on saute dessus. Allez à 3, on saute à 3. Ah à 3, voilà nickel. Là on est assez lourd, ah, voilà, tu peux passer. Ok, faut qu'on avance tous. Viens les biquettes. Voilà, nickel. Et là on se rejoint là tu vois. Ah attends, y'a une qui suit pas, c'est bon, nickel. Tout le monde est là. Ah, on peut pas glisser dans l'escalier, d'accord. Et moi j'ai réussi. Alors la caméra est un peu foirée, effectivement il y a des fois on confirme que c'est pas forcément bon endroit. Bon, bref, c'est pas grave. Et ben là on a un petit peu de vent, mais de toute façon c'est pas comme les canards, on est pas obligé de les protéger du vent, donc c'est cool. Pas très joyeux cette musique. Mais elle est un peu plus triste, ouais. Une musique d'énigme, j'ai l'impression. C'est pas triste, c'est plutôt énigme. Là, qu'est-ce qu'on fait là? On peut ouvrir la porte? Non, c'est pas par là. C'est par là, c'est clair. Donc, soit on passe par la droite là. Ah bah oui, voilà, bah ça se voit. Ouais, pourquoi faire. Faire 5 quand on peut faire compliqué, hein? Parce que là, clairement. Le courage d'avancer. Ouais, succès déverrouillé. Des viewers sur Steam, je sais pas si vous voyez, mais le courage d'avancer. Ça correspond, effectivement. L'icône, c'est un tuyau. C'est magnifique. Un tuyau. Il y a tellement l'ambiance et tout, c'est de stress, de la hauteur, le vent, la difficulté, le froid. Bon, les chèvres ne sont plus buggées, ils ont l'air de suivre. Ça m'arrange parce que pour le coup, c'était chiant. Si elles suivent pas là-dedans, tu vois, c'est un coup à recommencer bah, toute cette partie-là. On sait pas où ça sauvegarde, les viewers. Je t'attends peut-être parce que je. Ouais, pour éviter que ça bug peut-être. Non, même, parce que c'est pas trop plaisant. Quoi. Allez. Si, bon, j'arrive. Pas de soucis. Putain, j'ai peur que les biquettes tombent dans le vide, je te jure. Oh non! Putain, on a perdu la biquette. Eh, tu penses qu'elle est morte ou qu'on va la récupérer? Ah non, elle est morte. Putain, ils ont flingué un animal dans le truc. Bon, je me tais, excuse-moi. Oh, la petite feinte. C'est sûr que c'était Yout le noir. Non mais je me suis dit surtout ça a encore passé pour du racisme tu sais. Il y a le noir, ils ont flingué le noir. Je me suis dit là, c'est sûr. Ouf. J'ai perdu confiance en nous. Ouais, ouais, déception là tu vois.
J'ai pas l'air. T'es sûr? Si, ça roche. Ah. Je vais me menacer. Non, ils nous aiment plus, hein. Ouais, d'accord. Bon, on avance sans eux, qu'est-ce que tu veux, je te dis, bah attends. Ah bah merci, Yut et Bobby, hein, c'est sympa. Bon, ce qui compte, c'est qu'ils soient quand même en vie, hein, on est d'accord, après. Mais bon, on n'est pas content, t'as vu, nous, je sais pas ce qu'on a, mais. Et quand même. Voilà, plan de caméra. Ouais, alors la caméra, elle est un peu plantée, là. Ah, ça passe, ça passe. Je vais à droite, tu vas à gauche. Pour la beauté. Un peu de vent. Je t'avais dit de regarder la météo avant d'aller faire des courses. Par contre, il y a beaucoup de bruit. Je t'entends assez loin, TVH. C'est bien, ça correspond à l'ambiance. Donc, Enfin, je t'entends assez loin. Je t'entends assez couvert, du coup. J'ai essayé, ça marche pas. Alors, ok. J'allais dire chargement blanc. Ça change, mais non, toujours chargement noir. Bon, et ben c'est parti. Bon, on a un peu perdu les traces. Ouais, là, il n'y a plus rien. Là, c'est le néant absolu. On n'a plus de traces, on n'a plus de décor. C'est vraiment la neige. J'arrive, je cours aussi. C'est spécial, hein, quand même. Faut avouer que... Je veux pas dire, mais ta tête a fait limite deux fois la taille de ton corps. Ah, chez les bébés, on est pas loin, honnêtement. Mais ils ont un peu exagéré pour le rendre plus mignon, évidemment. Mmh. Pas exagéré non plus, c'est pas ce point. Moi, non, je suis mignon naturellement. Toi, t'es mignon, toi. T'as une grosse tête. Ça, la caméra elle fait quand même des beaux trucs, mais c'est vrai que là on a rien, là bizarrement on n'a pas de traces, on n'a pas de... C'est vraiment faux qu'on fait, là on va... Bah en fait on sait pas où on va en fait, on court là, on suppose... En fait on suit à peu près ce que la caméra nous dit d'aller en fait. Bon en fait on va dans le lointain quoi. C'est ça, parce que là à part ça... Là si on glisse ça peut aller plus vite mais... Oui. Ah, après c'est dans le principe c'est magnifique parce que du coup tu vois, on a l'impression d'être totalement libre alors qu'en réalité... On est plus ou moins guidé, il y a des murs invisibles à droite à gauche. De... Ah bah voilà. Et là attends, qui c'est qu'on suit? Est-ce qu'on va à... Attends, à mon avis c'est à gauche vu le sens de la caméra. Est-ce que j'ai posé la question, on va à gauche ou à droite vu que les bruits viennent de la droite? Bah... à droite ça ferait bizarre, on se rapprocherait tu vois de l'écran, c'est pas normal. Là on est clairement tu vois la caméra dans le dos donc c'est par là. Et je pense pas que la caméra serait tournée si on avait été à droite. Exact. Ah, et tu vois, on a deux traces à nouveau. Deux traces. Et à mon avis. Toi, tu pars. Attends-moi. Que. La petite musique qui repart, c'est super sympa. Franchement, c'est super sympa. Là, on voit plus rien. La caméra qui part encore un peu bizarre. Pourquoi pas? On va retrouver tout le monde et vous faire. Mais qu'est-ce que vous faites là? Posez pas la question aux chèvres si vous vous en croisez.
Ni au poussin aussi. Hein. Non, le poussin, ça s'est bien fini. Oui, c'est vrai. Ah, la chèvre, au final, hey, elles sont pas mortes, donc c'est bien fini. On les a avancées un petit peu. C'est déjà ça. Bonne idée. Bref, en tout cas, je te propose qu'on se laisse par ici. Attends, on a juste un endroit où il y a de la glace, c'est parfait. On va se laisser ici, les viewers, et puis du coup, on va se dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye.